Bonjour cher lecteur, on se retrouve aujourd'hui pour la rubrique Une minute, un livre, avec cette bande dessinée Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, d'Émilie Plateau, d'après l'œuvre de Tania de Montaigne. Tout le monde ou presque connaît l'histoire de Rosa Parks, cette femme noire qui en 1955 refusa de laisser sa place à une personne blanche dans un bus et qui fut arrêtée. Et bien, 9 mois avant Rosa Parks, il y a eu Claudette, 15 ans, qui refusa aussi de céder sa place. Elle plaidera non coupable et ira même jusqu'à poursuivre la ville en justice. Mais alors, pourquoi son nom est-il tombé dans l'oubli? Émilie Plateau nous explique pourquoi avec ses belles illustrations minimalistes. Et nous invite même à nous glisser, nous lecteurs, à la place d'un noir d'Alabama dans les années 50. Elle réussit avec brio à remettre en lumière cette jeune adolescente en lutte contre la ségrégation raciale. Grâce à cette BD, j'ai découvert l'histoire de Claudette et je vous invite à en faire autant. Pour finir, n'oubliez pas de liker la page Pôle culturel Ville de Chauny. Je vous souhaite une agréable journée et surtout, n'oubliez pas de lire.